Un bail qu'on n'avait pas vu le marché d'auberges en ville aussi rempli. Grâce aux rencontres gourmandes, les auberges en villois ont redécouvert un lieu convivial qu'ils avaient peu à peu délaissé. J'étais déjà venu une fois, il y avait 3-4 stands ici, et là c'est vrai que le fait qu'il y ait plein de monde et plein de stands, bah, je trouve ça cool. On est très satisfait de revoir le marché comme on l'a connu. Il y a 40 ans qu'on est dans la commune, il était comme ça. En plus des commerces habituels, beaucoup d'autres sont venus faire saliver les habitants avec plein de bonnes choses à manger. Même les enfants ont pu fabriquer leur pâte à pain sur place. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'en fait, on travaille vraiment avec des commerçants du 78. Ils sont jeunes, ils sont réactifs et ils sont pour le commerce de proximité. Ces rencontres gourmandes, l'objectif, eh bien, c'est de redynamiser le marché couvert. L'idée, c'était aussi d'inciter les commerçants à nous rejoindre, à rejoindre l'équipe de commerçants déjà en place. Opération séduction réussie, car quand on interroge les nouveaux venus... Ça me donne l'envie de revenir, oui. Si je peux revenir, oui, ça sera avec plaisir. Oui, j'espère qu'on pourra revenir dans pas longtemps, peut-être un samedi sur deux. Alors, plus d'excuses, le marché couvert d'Aubergenville, c'est tous les samedis matins de 8h à 13h. Des rencontres gourmandes toutes les semaines, finalement.